Alors, ce piano, en fait, je l'ai choisi il y a une trentaine d'années, à Londres. Et c'est un piano qui me convient très très bien, qui est difficile à jouer, Monsieur Varille, l'ancien accordeur que j'avais, qui est maintenant à la retraite, disait que c'était un piano mâle, qu'il y avait des pianos mâles et des pianos femelles. Et ça, c'est un piano mâle. Le fait que je travaille dessus jour après jour, d'abord je fais mon son sur le piano, et ensuite je suis habituée à ce piano, à ses réflexes. Pas trop froid en Bon. scooter? Si, très froid. Il se porte bien, il y a plein de réglages à faire quand même. Et donc je vais enregistrer lors de la fugue de Bach. Et je vais faire des grands grands pianissimos, donc il faut vraiment que le double échappement soit bien réglé. D'accord. Voilà, comme d'habitude, quoi. Voilà. Je vais regarder tout ça. Ou de la poussière. J'ai pas fait le ménage. Il va me gronder. J'ai fait tous mes disques avec ce piano. Et il n'y a que moi qui touche ce piano. Je n'accepte personne sur ce piano, même pas un pianiste professionnel. Simplement, je ne veux pas que quelqu'un joue dessus parce que j'ai l'impression qu'il va me l'influencer, quoi. Et puis aussi, un piano, c'est très très sensible. Si je reste 15 jours sans le toucher, il répond plus pareil. Je le touche 3 jours, ça y est, il se remet à sonner, à vibrer. C'est vraiment très vivant, c'est un instrument vivant. Et en fait, quand ce piano m'a fait trouver cette maison, parce qu'il faut savoir aussi que là où j'habitais, mon piano ne rentrait pas. Donc j'ai passé de maison en maison, et c'est à cause de ce piano que j'ai cette maison. Parce qu'il rentrait, parce qu'il pouvait sortir et rentrer facilement. Pour moi, d'un côté, c'est génial parce que je suis totalement habituée à la salle, comment elle vit, comment elle résonne, mon piano. Le piano ne bouge pas, donc il va être beaucoup plus stable que si je l'emmène. Mais la salle est quand même pas très très grande. Voilà, c'est plein d'impondérables. Chez soi, c'est installé comme un studio, mais c'est pas un vrai studio. J'ai pas peur parce qu'on a beaucoup de temps, hein, et je suis extrêmement prête. Vraiment, je peux pas être plus prête que ça. Donc, si ça marche pas, ben, c'est que ça doit pas marcher, quoi. C'est pas parce que je suis pas prête ou parce que.
Donc on va dans le 2. Mais là c'est magnifique, hein. Ouais, tout ça. Ouais. On a fini dans 5 minutes. C'est le dernier jour de l'art de la fugue. Dernière fugue, l'inachevée. Et puis moi je suis l'agent d'Alice. Donc je leur apporte des gâteaux pour leur remonter le moral pour le dernier. Enfin, remonter le moral, non, c'est pas le cas, c'est pas d'être remonté, mais pour les booster un peu avant la dernière enregistrée. Des gâteaux! Waouh! Non, mais c'est pas toi qui as fait ça! Bon, alors la dernière, je vous tiens jusqu'à 2h du matin, mais il faut que ça soit sublime. Hein. Donc sur l'eau. Quoi? C'est l'inachevé que vous faites là ce soir. Exactement. La dernière. Et quand tu disais que tu étais arrivé à maturité pour pouvoir jouer cette art de la fugue. En fait, je pense que Bach l'a écrite pour l'art du beau. Il n'a pas écrite pour que ça soit joué, pour gagner de l'argent. Mmh. Pour... Mmh. C'est un acte pur. Mmh. Moi, je le fais dans le même... Je pense que c'est ça. C'est peut-être pas vrai, hein. On sait rien, mais... Moi, je le fais dans la même optique. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'acheteurs de l'art de la fugue. Ce serait étonnant. Pourquoi? Parce que ce sont difficiles, quand même. Et moi, je l'aborde d'une façon... en totale humilité. Il va mourir et... Là, il n'est que ça. Parce qu'on sait pas, en fait, elle est inachevée. Moi, je crois qu'un croyant. Il est mort un an après, quand même, il est pas mort. Bah, qui est près de la mort, il n'est pas triomphant. Il offre ce qu'il peut. Parce que la dernière fugue, elle est très nue. Il n'y a plus du tout de notes pointées, de choses lyriques. C'est très nu. C'est une écriture totalement différente, je trouve. De toutes les autres, de certaines. La Madeleine et Léon, ça fait tilde. Les notes, donc A, B, C, D. Sur les dernières notes, ça t'intéresse pas, tu me le dis. Mais t'es Madeleine, m'intéresse beaucoup. Ce sont les dernières notes de cette fugue où ça signe B-A-C-H, donc Bach. Oui. Les dernières, elles sont signées Bach. C'est pas les... La dernière fugue, c'est une quadruple fugue. T'as plusieurs thèmes. On a les trois premières. La quatrième fugue est pas écrite. Donc un premier thème, un deuxième thème, et le troisième thème, c'est les lettres de... Sa signature. Si, la, do, si. Et ça, c'est pas un thème triomphant. Voilà. Donc le B, c'est quoi comme note? Si bémol. Oui. Après, continue. Le A, c'est là. Le C, c'est Do, et le H, c'est Si bémol. Si bémol. Viens de le voir sur la partition, ça fait quelque chose. A, B, C, D. Pour moi, c'est impressionnant qu'elle soit inachevée. Non, 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 non. Attends, j'en ai pris trois. Hein. Bon, faut pas que je me déconcentre, là. Hein. Non, ça suffit, maintenant. En plus, la prise de son de Franck, qui est magnifique, mais elle ne pardonne pas une petite irrégularité, rien. Rien, c'est un bistouri. Non, 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 mais c'est une prise de son très présente, très claire, très définie. C'est pas par hasard, si je n'ai pas demandé, je vais pas me faire chier à travailler 2 ans une œuvre pour après avoir des gens qui sont pas capables de me suivre. T'as fait 2 ans du bonheur de la Armin, il est top niveau, quoi. Il est clair, il retient tout, il est organisé, on perd pas de temps. Donc il y a une équipe là, vraiment. Top niveau. En plus, vous avez beaucoup travaillé ensemble, donc il y a une complicité, il y a quelque chose qui se fait tout de suite, quoi. Ça fait combien de temps que tu regardes la fille? Ça fait 2 ans que tu y penses. Attends, ça fait 15 ans que j'y pense. 15 ans que tu y penses, 2 ans que tu réfléchis fort. Non, 15 ans que j'y pense sans me dire je vais faire un enregistrement, en me disant c'est beau, j'aimerais bien jouer ça, en le faisant un petit peu, en jouant quelques fugues à des copains qui me disaient allez vas-y, vas-y, puis j'ai abandonné, puis j'ai repris. Puis... Et là, ça fait un an.
que je suis vraiment dessus complètement. Quand tu fais un truc comme ça, tu fais que ça. Faire de la fugue. Oui. Donc il faut être tranquille. C'est un monde. C'est pas du piano, c'est autre chose que du piano. Tu vois, c'est une intériorité, c'est une rigueur, c'est tout. Tu peux pas donner de la passion, du tu vois, tu peux pas donner. Moi, je suis quelqu'un de très passionné. J'aime les choses aussi violentes, les choses. Tout ça, je peux pas. C'est hors de question. C'est tout à fait une autre dimension. C'est très un grand détachement. Il faut beaucoup de détachement. En même temps, c'est une musique souffrante, mais c'est pas souffrant comme nous on est dans la vie, quoi. C'est autre chose. Donc y a, pour moi, il n'y a que cette œuvre au piano qui me donne ça. Sinon, même les œuvres de Bach, les Goldberg, tout ça, ça ne me donne pas du tout ce sentiment-là. Il là, y a un truc vraiment très très particulier. Tu nous dis quand tu es prêt.
Écoute, bravo, hein, très belle chose. Hein. Ah, c'est très bien. Hein. Vraiment, je pense que c'est la très bonne direction. L'esprit est là. Du coup, les choses coulent de source. Est-ce qu'il serait possible, non pas de faire tout, mais de prendre, pas 103, un peu avant le fin de deuxième ligne. C'est dur de commencer au milieu, hein. Je vais essayer, mais j'espère que je trouverai l'atmosphère. Attendez une porte. C'est vraiment une bruit de porte en ombre. C'est pas les portes battantes des chats, là ? Hein ? Comment on appelle les trucs de. Les portes pour les chats ? Les chatières ? Non, je les ai bloquées. Ah, d'accord. Ce qu'il faut, c'est que vraiment tu. Entre guillemets, tu te lâches, même si c'est pas évident. Donc ne t'inquiète pas par rapport au bruit de voiture, etc. Moi, je les marque systématiquement, donc on pourra toujours trouver une solution par rapport à ça. Il faut que toi, tu penses à aller de l'avant, à te détendre. Et ça va couler de source naturellement. On commence ? S'il te plaît. Donc la 13. Tu veux pas te reposer 2 minutes ? Non. Ça va au niveau concentration ? Bah oui, mais si je me repose, j'ai froid et... Non, là, c'est pour toi. Nous, on est bon, là. Vous obéissez. Bon. Il y a presque tout, là. Hein. Presque. Pardon, Armin. Pourquoi ? Parce que je m'énerve. On se vengera ? Oh. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Franck dit on se vengera. Comment ? Vous en faites le thème final ? Ouais. Juste un instant. On est prêt. Thank you.
Tu me dis quand tu es prête. Ah non, mais attends. Tu veux que je refasse une autre comme ça Qu'est-ce qui n'allait pas? J'ai rien de vraiment précis à te signaler. Pour moi, tout était bon au niveau climat, au niveau nuance. C'était pour en faire une autre, quoi, dans la foulée. Ah, d'accord. Oui, c'était pas du tout par rapport à des choses qui manquaient. D'accord. Parce que c'est épuisant à jouer, je peux te dire. Donc, si t'as quelque chose à dire, je peux te dire. Je t'assure. Vraiment. Bon. Simplement, juste sur le dernier mordant. Oui. Ne le ralentis pas. Le tout dernier. Ah oui, t'es gentil, toi. Oui. T'es très gentil. Les autres aussi, hein, au niveau mordant, mais le plus important, c'est le dernier. Alice, oui. Juste une suggestion. Est-ce qu'il serait possible de faire une version sans qu'on pressente que c'est la fin, c'est-à-dire une version comme si tu allais continuer, que la partition n'était pas inachevée. C'est moi qui aimerais l'entendre une fois, sans cette impression de. J'entends pas là, Franck. Pardon. En fait, j'aimerais l'entendre une fois sans avoir l'impression, si tu veux, qu'au bout de la mesure, il n'y a plus rien. Je comprends pas très bien parce que je t'entends très mal. Franck dit, est-ce qu'on peut faire une version où l'auditeur soit surpris par cette fin inattendue? Parce que nous, on pense modestement ici, dans notre coin, que le fait de ralentir l'avant-dernière page... Finalement, ça nuit et on reste sur quelque chose d'insatisfaction. Bon, ben, je vais essayer. Oui, si on peut essayer une fois pour comme ça, pour nous. On y va ? Oui, 25. Merci beaucoup. Bravo. Vous préférez quelque chose de plus simple? Oui. Et dans cette version-là, on a tout. Dans cette la dernière qu'on vient de faire? Oui. Non. On a pris on a sélectionné des versions que selon ton optique à toi, entre guillemets, si je puis dire. Mais parce que votre optique, ça vous... C'est pas révélateur, quoi. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu ni l'un ni l'autre, en fait, là. On est dans la fin qui s'approche toujours, pour moi, hein. Donc, si tu veux, c'est un... Ton discours est contrarié. Où je l'ai vraiment considéré, ce dernier thème, comme quelque chose tout à fait au-delà. Voilà. Mais ça n'est pas. Il est déjà parti. Voilà, ce que j'entends, c'est ne me dis pas ça.
Tu vois, c'est comme si, enfin, je sais pas, c'est comme si, je sais pas moi, un richissime industriel me parlait du détachement, quoi. Tu vois ? Je veux dire, je comprendrais le discours, mais je ne comprendrais pas son contexte vis-à-vis de cette personne-là. Le Dalai Lama pourrait me le dire, mais pas lui. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, le discours me dit quelque chose, et ce que j'entends me dit autre chose. En synthèse, nous, ce qui nous dérange, entre guillemets, c'est que la page, l'avant-dernière page, tu le penses trop comme quelque chose d'immatériel. Et pour pallier à l'absence de fin aussi. Voilà. Oui. Et ça ne l'est pas. C'est-à-dire, ouais, d'autant... mais quand même, j'ai complètement désarticulé. Si tu veux, c'est pas du tout comme le reste de l'art de la fugue. Oui, mais désarticulé, ça ne veut pas dire non plus voyage vers l'au-delà. Bah. Je ne sais pas, ça, c'est très subjectif. La même chose. Donc 26. Écoute, c'est très bien ça. Hein. Pour nous. Arrête. Alice, juste une par rapport à cette prise qu'on vient de faire, sur l'avant-dernière page, premier système. Premier système ? Oui, voilà, sur la troisième mesure. Oui. Pourquoi tu ralentir sur le tri de la main gauche ? Ça, c'est un point. Et l'autre point, sur la dernière page, l'avant-dernier système, avant de l'arrivée des thèmes de croche, là aussi, tu ralentis. Peut-être que si on ne ralentit pas, l'effet de surprise est génial. Et paf, ça s'arrête. Et puis augmenter la densité. Voilà. Bon, je vais essayer. Parce que la nuance tombe. Ouais. Voilà. Et le tri ici, il doit pas annoncer la fin. Ouais, donc 27. Ben écoute, ça tient la route. Hein. Après, c'est toi qui prendras la décision. De toute façon, on a tout pris. Tout enregistré. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Pas grand bien de la fin, en tout cas. Ce qui précède les croches, là, franchement, sans cadence, ça va pas, quoi. Même si ça continuait, je ferais une cadence, là. Non, Alice, tu as raison sur le plan musical et harmonique. Mais entre faire une cadence
et faire un hyper ritardando presque avec un point d'orgue, il y a quand même une marge. Je vais recommencer la fin quand même parce que... Oui. En fait, ce qu'il faut que tu... Enfin, c'est ce qu'il faudrait, c'est que tu oublies qu'il n'y ait pas... Que ça soit inachevé, en fait. Et que mais tu fasses... Mais on peut pas oublier, Franck. C'est pas possible. Bah, si ça continuait, tu ne ferais pas le même enchaînement. Tu ne le prendrais pas comme ça. Ah ben, la cadence, je la ferais, c'est évident. Oui, tu ferais la cadence. Tu la ferais d'une certaine manière. Mais est-ce que tu la ferais telle quelle, telle que tu l'as fait normalement? Non, en sachant que ça non, se non, finit je pas. Moi. Voilà, c'est ça que c'est ça en fait que. On attire ton attention là-dessus. C'est voilà. Pas que qu'il n'y ait pas de ralenti ou qu'il n'y ait pas de cadence. C'est pas ça que l'on ne veut pas. Ce que l'on aimerait avoir, c'est que les choses soient telles qu'elles doivent être. Oui, et je comprends. Le seul. Moi, je le comprends pas comme ça, donc ça va m'être très difficile, tu vois. Oui, oui, non, mais de toute façon. Je vais quand même essayer de faire à mon idée. Si tu veux, là, le but n'est pas. Comment dire, c'est à titre, je dirais, presque. C'est moi, pour ma version personnelle. Oui. Tu vois, je veux dire, parce que le. Je dirais. Ta conception, elle est enregistrée et on a tout, en fait. Donc c'est. C'est à la fois un caprice peut-être de ma part, et puis bon, c'est la vengeance dont je te parlais tout à l'heure. Moi, je voudrais refaire la fin quand même. D'accord. Par exemple, on pourrait prendre la dernière ligne de l'avant-dernière page. D'accord. Index 29 à partir du dernier système, page 110. Trente.
voiture. Oui, oui, le bruit est affreux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que c'est... Là, c'est bien. La seule chose qui me gêne, là, c'est qu'en fait, la fin, elle est sur l'avant-dernière mesure. Et normalement, ça devrait continuer. Mais oui, mais ça n'a pas continué. Donc, il y a une raison, si tu veux. Il y a intrinsèquement, dans la fugue elle-même, il y a déjà une décomposition. C'est, dans la composition elle-même, il y a une décomposition. Si tu analyses l'écriture, tu passes de quelque chose de très simple à quelque chose de complètement... quand il signe de son nom, c'est une fugue complètement hors temps, quoi. Hors époque, c'est très moderne, c'est très... Donc tu peux pas la faire comme si... C'est peut-être pas un hasard qu'il se soit arrêté, hein. Mais je vais refaire la fin pour essayer de le faire mieux. On reprend toujours du même endroit. Oui, oui. 33. 33, ça tourne. Merci Alice en a tout là. Bon, qu'est-ce que ça dit cette version-là? Ben, cette version, avec la précédente, je pense qu'elle est complète dans cet esprit-là. On a tout ce qu'il faut dans cet esprit-là. On a deux versions possibles en gros. Hein. Belle chose dans celle-là. Hein. Donc ça, c'est version droite. Bon, alors maintenant, je voudrais écouter ma version. D'accord. Voir si je vais hurler de désespoir.
Je pense qu'on peut, on peut arranger. On peut arranger. Si tu veux changer les parties trop ralenties, mais garder la base. Ah oui, ouais, parce qu'elle est très nette, ce que je me disais aussi. C'est très beau. C'est très beau, l'atmosphère. Non, mais je suis complètement d'accord. En même temps, si les ralentis, c'est ce que toi, tu veux dire. Non, ça me choque. Hein, ça me choque. Voilà. Mais ceci dit, ça me choque, mais tu vois... je pense qu'on peut s'arranger en mixant, tu vois. Complètement. Parce que moi, je les aime pas rapides. Mmh. J'aime bien que ça soit complètement hors temps. Oh, je suis fatiguée là. Ah bon? J'ai mal au cœur, tout d'un coup, tu vois, ça m'a stressé ce truc. Ouais, je suis une bébé. Non, on a pas de responsabilité. T'as raison. Vous avez raison de me pousser jusqu'à l'extrême. Là, c'est pas tout à fait l'extrême. Parce que là, maintenant, il y a la scène entière qu'on a dit qu'on faisait maintenant, là, à la fin. Là, je peux pas. Oh. Tu voulais que j'essaie? Non, je sais pas. Je peux essayer, hein. Non. Non, je pense pas que... On a tous les éléments. Merci d'avoir accepté de faire... J'ai pas très bien réussi, je dois dire. Non, en réalité non, parce que c'est... La fin, j'arrive pas à la personne... C'est un truc qui se travaille, si tu veux. Oui, et puis tu as... Tu peux pas le faire comme ça. C'est un truc vraiment qui se travaille, qui s'intègre, qui... Non, c'est certain. Tu as essayé. Oui. De toute façon, je trouve que c'est intéressant. Et puis, il y a dans les parties que vous m'avez faites faire, oui. Très belle. C'est fatigant de faire ce truc. Autant si tu le fais en concert comme ça, t'es inspiré, ça passe tout seul. En studio, c'est cauchemar. En studio, tu te poses la question à chaque note que tu joues, tu te dis, est-ce que je la place bien, est-ce que je... Voilà. Est-ce que la tension est conforme, par rapport à ce que je veux faire. Et surtout là, on a posé une question. Donc, c'est perturbant. C'est terrible, quoi. Non, mais il y a des prises qui sont... où il y a vraiment, un équilibre naturel des voix qui s'installe, oui. À la fois rythmique, linéaire, verticale, il y a trois dimensions. Oui. Et c'est très beau, il n'y a pas... Tout se justifie les uns par rapport aux autres, tu vois. C'est pourquoi les planètes sont rondes, parce que ça tourne, parce que ça tout est en mouvement, etc. Il n'y a pas de planète carrée. Ben là, c'est comme ça et c'est naturel. C'est vraiment ce qui se passe. Bon, je vais vous taxer d'une cigarette, là. Oui. Je peux en rouler une? Non, je vais en rouler une, j'en ai plus. Ah, aussi, j'en ai. Bon, mais vous êtes quand même là, j'ai l'impression que vous partez en étant furieux de ma faim, là. Hein? Non, je me sors tout de l'eau, parce que j'ai l'impression de t'avoir quelque part un peu, dérangé, en fait. Mais c'est intéressant. Faut pas avoir peur. Au moment où c'était, disons, fini, on va dire. Que ça ne soit pas ça. Tu sais, c'est très difficile la juste mesure entre la chose simple, droite, et qui peut être sublime, et la chose un tout petit peu plus à fleur de peau, qui peut tomber facilement dans quelque chose qui est gênant. Ouais. C'est toujours plus facile de faire droit. Demain, 13h30.
Demain, bonne nuit, et bravo, et puis merci. Bravo, merci. Merci à vous. À demain. Au revoir. Au revoir. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Avant de commencer, je voudrais te faire des petites mises au point pour hier soir. Parce que je trouve pas que ça soit une bonne chose qu'il y ait deux personnes qui interviennent dans un enregistrement. Mmh. Il y a un directeur artistique et c'est lui qui est en contact avec l'artiste. Mmh. Donc si vous avez des choses à vous dire, vous faites votre salade ici. Ouais, mais en cabine, il ne faut pas qu'il y ait deux personnes. Mmh, ouais. C'est pas bien. Ça casse le rythme. En plus, vous n'avez pas du tout le même langage. Oui. Donc, si tu veux, j'étais complètement perdue, moi. Oui, donc tu as raison. Dynamiquement. Voilà. Et puis, je voulais reparler du sentiment que j'ai de la dernière partie de la fugue. Oui. C'est pas du tout quelque chose de détaché, comme tu disais. C'est, pour moi, c'est, si tu veux, dans la structure même de la fugue, il y a une errance harmonique. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne reste jamais plus de deux mesures dans la même tonalité. Ça, c'est vrai. C'est la seule fois où il y a ça. Dans tout le reste de l'art de la fugue, c'est parfaitement géré, organisé. Il n'y a pas une fugue entière qui est comme ça, complètement mouvante. C'est une errance. Et c'est une errance, donc pour moi, une errance liée à sa signature, c'est un peu... C'est pas un détachement, c'est une souffrance errante, c'est la nuit obscure de Saint-Jean-de-la-Croix pour moi, tu vois. Donc le trille, il peut pas être stylistiquement, je cherche pas à faire un trille stylistiquement exact. Je veux faire un trille qui soit une plainte, tu vois. Donc le problème c'est de le faire à tempo, c'est très difficile. Donc je pense pas qu'on les ait en plainte. Parce qu'en fait, on n'a pas poussé ma vision à fond, à mon avis. Enfin, on va voir. Hein. C'est toi. Ils sont quand même... Toi, je te fais confiance. Non, mais les trilles ne sont pas non plus serrés. Hein. Ils sont peut-être pas, comme tu veux, poussés à l'extrême dans le sens de ce que tu viens de décrire. Mais ça reste quand même des trilles qui sont, entre guillemets, désarticulés. Mm. Donc, ça reste dans la logique de ce que tu as voulu. D'accord. Tu veux, pour te remettre dans le bain, écouter la toute première. Pour la première partie, je te fais confiance. Oui. Je prends mes lunettes par contre. Petit bruit, mais on s'en fout. Magnifique ça. C'est dommage, c'est très beau. Et je peux le réécouter, c'est une voiture? Oui. C'est aussi là. C'est là. Pardon.
très amoureuse de ces quatre mesures, mais avant, on va faire comme Ben Gould, on va faire des montages à la main. Moi, ça me fait très peur les montages comme ça. Je me dis, ça va être moche. Ça va pas marcher avec ce qui précède. Mm-hmm. Si pour enlever le bruit de voiture, ouais. Je devrais pouvoir. Pour reprendre là, voir le 2, d'un peu plus haut. Qu'on vérifie bien. Une douceur. Bien. Reculer. Ou alors, parce que j'ai peur que 4, ça tire, ça ne va pas s'enchaîner. Hein. Tu peux mettre 4 tout de suite, on va voir tout de suite pour les voitures, là. Oui. J'ai pas entendu. Et là, il y a un problème aussi dans le 2, non? Il y a des petits bruits. C'est beau, ça, quand même. Si elle est là. Oui. Bon, enfin, tu penses que ça marchera sur le plan rythme? Oui. D'accord. Bon, gardons 4 et 2 après. Jusque là. Si on peut prendre 2 et puis faire l'insert de 4 juste là où il y a le bruit. Non, mais je trouve ça quand même mieux 4. C'est la dernière chute. C'est bon, ça. Cette mesure-là est bonne. Mais ça, c'est trop fort. Donc, il faut prendre 4 là. Et 8. 8 là. Putain, c'est de la dentelle, hein. 6 là. J'aime pas ça. On est beaucoup plus lent, Armélie. Ça, le. Oui, mais c'est couleur. Beaucoup plus lent. C'est magnifique, c'est de mieux, mais. Tu trouves pas qu'on est beaucoup plus lent? Ben, j'ai pas entendu l'autre version, le donc. Mais tu faisais quoi? Franck. Merci. Marie. Merci. Alors, un petit peu plus en arrière. Faut garder ça. Oh, tu me mets. Hein, bon, je fais ça. Je rajoute le sol. Tu me mets. Laisse le point comme il est, mais tu me mets 2 ici et tu me dis plus. Tu entoures la note qui manque et tu me fais une flèche. Tu fais un gros plus. Je trouve un do tout seul. Si tu peux, sinon le laisse. Franchement, ça me choque pas, moi. Bon. Ceci. Alors. Hop. D'accord. Donc on a là. Tout ça, c'est une marque. Je mets un vide recherche. Oui. Trouver un do. Cherche do désespérément. Quand même beaucoup plus beau, hein. Ouais. Tu peux pas me trouver un fa. Stop. Juste 11 pour ces deux mesures. Non, moi
je trouve que j'aime pas le crescendo, je préfère un diminuendo. Mais c'est le problème, c'est que mon diminuendo, il est trop. Mais bon, ça passe, hein. 11, parce qu'il y avait une belle lumière sur le la. Non. J'adore. T'as raison en fait, parce que sur le coup j'aime, et puis dans 2 ans je me dirais mais pourquoi je laissais passer ça. Oh, c'est génial ça. Pardon? J'adore ça. Un petit bruit. Là, je parie qu'on... C'est vachement réussi, hein, ça. Ouais. J'ai pas mis le casque, j'ai vu l'expression de Franck, et je suis là. Là, je me faisais mon petit plaisir de si bémol par rapport au... Enfin, ouais, tu comprends, ouais. Quoi. Bon, Harvey n'a pas voulu... Tant pis pour lui. Alors. Il n'aura pas mon petit chouïa de plaisir. Là. Donc peut-être qu'il faudrait écouter la même chose de 21. Oh, moi j'adore ça. Ça fait très bien Glenn Gould ça. Mmh. Je pique. Bon, faut voir ça. Ok, pause 16. Okay. Ouh, c'est fatigant, hein. Et encore. On est d'accord. Si on n'était pas d'accord, ce serait encore plus fatigant. C'est ça que tu veux dire. Non, mais je veux dire. Oui. On va dans la même direction. J'ai toutes mes craintes qui s'allument pour la dernière partie. Pour les deux dernières pages. En fait, la cellule du nom de Bach, elle apparaît plus tôt, non? Il n'y a pas qu'à la fin que ça arrive. Non, c'est toute la dernière fugue qui est basée là-dessus. Ah, d'accord. J'ai compris que ça arrivait juste à la fin, en fait. Non, mais au moment où ça s'arrête, il y a... Oui, il apparaît. C'est pas que là. C'est-à-dire que là, il apparaît de manière flagrante, en fait. Mmh. Vous voulez un café? Oh oui. Mais là par contre c'est plus difficile les deux pages. C'est une sorte de forme ouverte, c'est tout est possible. Ouais. C'est toi qui dois finalement trancher à chaque fois. Non, mais c'est pour ça, moi j'ai l'intention, si tu permets, qu'on écoute tout. Mais il faut tout écouter. A à Z. Non, mais il faut tout écouter parce que là. Tous les matériaux, parce qu'on va peut-être prendre. Parce que je dirais là, c'est pas un problème de notes, de rythme, etc. C'est. Le sentiment intérieur. Voilà. Et ça, il faut. Même ça, si j'ai marqué. Cette nuit, si tu veux, j'y ai beaucoup repensé cette nuit à la fin aussi. Ouais. Je crois qu'on va être obligé de le refaire. C'est ça que j'ai pas trouvé.
Mais j'ai pas trouvé avant de d'enregistrer. J'ai si plein. Tu sais cette dernière fugue, c'est pas du tout comme ça, hein. J'ai énormément bossé, cherché ce tri, tu peux pas savoir, j'ai essayé toutes les solutions, plus court, plus long, plus rapide, plus... Ah, c'est beau ça. C'est le caractère que je veux. On peut quitter assez vite, mais... J'arrête ? Stop. On peut quitter assez vite, mais pour ça, c'est tellement beau, ça. T'aimes pas ? Pas mal celui-là. C'est quoi ça? -5. C'est le sol fa sol que tu as trouvé pas bien. Bon, alors moi je trouve que la couleur de l'entrée dans les enchaînés, elle est beaucoup plus belle. D'accord. On réécoute ça s'il te plaît, parce que t'as bougé un truc et j'ai... Non, un petit peu avant. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Ça, j'aime bien. Ouais, alors on arrête. Là aussi, 5. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais ça roule et en même temps, il y a ce que je cherchais, si tu veux. Non, illimité. Illimité. C'est 23, c'est 23 ça ? C'est 23, oui. Mais écoute la fin du tri. C'est pas possible, c'est ça. Tu entends ? Les ré, on les entend plus. Do, ré, do, on n'entend plus. Encore une fois ? Tu vois ? Et la 5 ? J'adore ça. Vraiment, c'est ce que j'ai voulu faire, tu vois. Parce que tu as le retard, tu as l'arrivée du retard qui est très prise par en dessous. Réécoutons quand même celle qu'on avait choisie, c'est 27 ou... Je sais plus parce que... Moi, je préfère 5. Je préfère 5. 5. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus clair, c'est le plus clair, le plus propre. Et je me demande si ça est aussi beau que 5. Ou que 27. Je sais plus. Refais 5. Oh non, c'est ça. Il y a quelque chose de spécial. Il y a un équilibre qui est...
Voilà, entre toutes les voix. Moi personnellement, on peut juste à 30 secondes. Moi personnellement, pour ça, même si c'est deux prises très éloignées, je préfère 24 à 5. On peut tout de suite comparer ça. Bon, ça c'est très beau dans deux, je reconnais là. Et c'est l'arrivée. Mais ici, y a quelque chose de très noble et lumineux dans le 24. 24. Je m'en fous, le tri sera un peu piqué à la fin. Et Oh non. Alors moi je serais moi, sans Armin. Je prendrais Rémi dans 24 et Simi Redo dans 5. Alors, avant de prendre une décision, est-ce qu'on peut juste écouter pour le tri 27 pour finir? Et après, on pourra trancher. Ouais, je suis désolée, mais ça, c'est très très beau dans 5. Oui, mais là, on n'a pas le retard. On n'a pas le retard. Moi, je veux ceci. Non, je parlais juste du tri. Il est mieux que 24, non? C'est pas mieux que 5, hein? De toute façon, tu peux pas le prendre parce qu'on n'a pas le si en résonance. Ouais. Ok. Mais tu veux pas me donner ça? Si, non mais... Tu veux bien me donner ça? Les deux noirs là en 24? Parce qu'elles sont bien lumineuses. Vous êtes d'accord, chef? Oui, non, mais... Ben oui, je comprends ce mi qui fout le camp, ça te gêne. Mais quand même, le tri est beau dessous et le retard, il y est. C'est la seule fois où il y est. Oh, c'est beau, ça. Ah oui, t'as mis plus. On peut s'arrêter là parce que là, ça suffit. Tellement dense. Ouais, non, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est raide, c'est raide, c'est raide. Moi, c'est. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La 5, elle était pas bien. Bon. Oui, tu vois là. Il y a un beau bateau. Oui. Ça te gêne? Aussi, je trouve que c'est pareil que le 24. Non mais si c'est ce que tu veux, mais ça fait un retard ici, un accéléré derrière, je trouve. C'est certainement voulu, mais. Oui, c'est voulu. Je trouve que la 5, elle donne, je sais pas, une Prenons ce que disait Armin, alors on prend la 5 d'ici et on l'arrête là. Bon, on a décidé 5 là, hop. Moi je suis toujours pour prendre les premières versions, les versions enchaînées. Tu sais qu'il y a toujours des trucs naturels qui se font, qu'on perd après. C'est beau ça. Après, il faudrait après, voir. Après, c'est là que les Athéniens s'éteignirent. Alors, il faut voir 28 pour ça. Parce que théoriquement, 28 c'est très bien là. Jusque là, et une mesure de. Thank you.
mémoire ralentit que l'autre. Que laquelle? Que celle qu'on vient d'écouter, que la 24. Non? La 24, c'était non, la dernière fois. Très beau trille. La 24, elle ralentit ici, en fait. Elle ralentit vers là. Attends. C'est là que je n'ai pas fait attention. Très jolie trille. Et moi, j'aime toute la fin. C'est laquelle? La 5. Ça, c'est génial. Elle est parfaite, hein, sauf des petits trucs. Mmh. Mais non, c'est pas... C'est, ouais, enfin, c'est l'ensemble, enfin, on peut ça mettre un petit point d'interrogation là, mais la couleur est sublime. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'enchaînement de ça. Est-ce que tu es d'accord pour ce tri, oui, ou ça fait trop maniéré? Non. C'est très beau. Ça, j'aime beaucoup. Bon. Mais il faudrait écouter pour la dernière mesure. Et là, 29. 20... C'est la 29. Ça, c'est génial. Ben moi, les cocos, j'aime ça comme ça. Si ça vous choque... Tant pis pour nous. L'art de la fugue, l'art de brûler les câbles. Faire bizarre. Hein. Pour moi? Non, mais pour moi aussi. Hein. Et pour moi donc, j'y crois pas. 7 jours. On a passé. Vous vous sentez vidé, triste, il manque quelque chose ou c'est... Moi, un peu de tout, il y a un peu de tout. Un peu de tout. Et soulagé aussi. Parce que c'est quand même une tension. Non, mais j'arrive pas à le réaliser que c'est fini. Quoi. D'abord, j'y ai pas cru pendant longtemps que je le ferais. Donc, Attends, je te rajoute ce qui est super fort. Je voulais faire la russe. Là. Merci. Moi, j'aime bien que c'est fort. Très comme ça. Pas mal. Et le fait d'avoir enregistré à la maison, hein. Ben, écoute, il y a des côtés positifs, mais je trouve ça dur quand même. Je trouve que c'est plus facile d'enregistrer à l'extérieur. Le seul truc que j'aime pas en studio, c'est que quand je prends mon piano, c'est de le voir partir. Ça, j'ai horreur de ça. C'est normal. Je me cache généralement quand il est dans le... Comment ça va? Ça va?
J'enlève mon déguisement de Père Noël. Alors c'est fini, ça y est. Eh ben. Tu peux l'applaudir, je pense. Ah oui, non, ça. Mais attends, est-ce qu'il écoute d'abord, il va peut-être. Oui, c'est vrai. Il va peut-être détester. Ça m'étonnerait quand même. Bon, est-ce que tu l'écouteras plus tard, ton CD? 10 ans après. Oh, c'est fou, ça. Ça, je peux pas comprendre. 10 ans après, je mets mes enregistrements, je me dis, mais c'est vachement bien, ça. C'est qui? Ah, c'est moi. Non, là, je sais. Ça va mieux, je pense qu'avec les années, ça se rapproche. Ouais, de 10, tu passes à 6. Voilà. De 6, tu peux passer à 4. Là, alors, je pense qu'un an, ça va. Mais c'est rare que je puisse écouter tout de suite après. D'abord, tu pleures parce que tu as fini l'enregistrement, tu es toute seule. Non, non, je rigole. Là, je peux pas, je vais pas pleurer parce que j'ai fait. Je suis vraiment contente. C'est comme je l'entendais, c'est comme je voulais que ça soit. Alors, si c'est pas. Si au final, c'est pas bien, ben c'est pas bien. Mais. J'ai été jusqu'au bout de ma pensée. De... Après, ben, c'est le travail. Hein. Si après je me dis je me suis gourée, en fait, il fallait faire quelque chose de très simple. C'était un concert que j'ai donné à Davo. C'était quoi? C'était Schubert. C'est une cassette, puis j'avais rien marqué. J'ai passé ça à Pierre en me disant, je sais pas ce que c'est que cette cassette. Mais écoute ça, c'est vraiment très très beau. Ça peut être Kempf ou quelque chose comme ça, parce que le son, c'est exactement mon rêve. Je crois que j'arriverai jamais à faire ça. Je lui ai dit. Et il m'a dit, bah, c'est toi qui joues. Et à la seconde où j'ai su que c'était moi, j'ai vu tous les défauts. Mmh. Et c'est là. C'est ça l'exigence. Et c'est là. Bah, non, c'est pas l'exigence. Ça, c'est la destruction. Oui, c'est le revers. C'est le revers de l'exigence. Mmh. À partir de là, je me suis dit, bon, ça suffit, je peux enregistrer, je vais arrêter de me démolir. Mmh. Non, et j'ai commencé à faire des enregistrements. Et c'est il y a 20 ans, quoi.